Salut, moi c'est Justine et je vous présente Lady Ocean, mon bateau. J'ai commencé à naviguer il y a 3 ans, lors d'un bateau stop complètement improvisé en Italie. Dès ce jour, j'ai su que la mer allait prendre une part importante dans ma vie. De là, je suis partie en autostop, bateau stop, parcourir l'Europe, la Turquie, la traversée de l'Atlantique. J'ai rencontré plein de gens incroyables et je suis arrivée aux Antilles, où j'ai commencé à vivre sur un voilier avec mon copain rencontré là-bas. J'ai vécu ma première expérience en tant que capitaine sur son petit voilier de 6 mètres pour traverser les Caraïbes pendant que lui naviguait sur le ketch que l'on venait de récupérer à Saint-Barth lors de notre passage sur l'île. Lady Ocean est un ketch en acier de 11 mètres qui était abandonné depuis 2-3 ans quand on l'a récupéré. Il était complètement rouillé, les voiles étaient craquées, il était vraiment en sale état. On a même fait un trou dans la coque une fois en voulant gratter la rouille à un endroit un peu suspect, sous le niveau de l'eau. De là, on s'est dit qu'on allait attendre le chantier pour vraiment s'y mettre et qu'on avait vraiment envie de redonner une seconde vie à ce bateau. Certaines personnes sont venues nous voir pour nous dire « ne partez pas avec ce bateau, vous allez couler ». Mais nous, on y croyait et heureusement, on avait des amis qui ont vraiment cru en nous, qui nous ont encouragés à aller jusqu'au bout. Et on est parti et on n'a pas coulé. On s'était fixé comme objectif d'emmener le ketch au Guatemala pour le réparer dans un des chantiers les moins chers des Caraïbes. De mai à décembre 2021, on a parcouru plus de 2000 milles avec le ketch, accompagné de plein d'amis, de plein d'autres bateaux. Vécu de superbes aventures grâce à ce bateau. On est depuis 2 mois au Guatemala. Adrien a récupéré un nouveau bateau qui doit aussi retaper à côté au chantier. Ça a été une belle surprise quand il a proposé de me donner le ketch. Moi, j'étais effectivement de plus en plus en train de penser à avoir mon propre bateau, mon propre challenge, et je suis maintenant l'heureuse capitaine du Lady Ocean. Avec les 400 euros qu'il me reste, je peux déjà continuer les travaux que j'avais commencé à faire dessus, c'est-à-dire poncer la rouille, traiter l'acier, mettre de la nouvelle peinture. Mais pour aller plus loin, Lady Ocean et moi allons avoir besoin de votre soutien. C'est pour cela que je souhaite créer une grande communauté autour de ce bateau, qui souhaite le voir revivre et participer à sa renaissance. Dans les dépenses, le plus important est que je paye sa place au chantier, que j'achète du matériel comme un poste à souder, une meuleuse, des plaques d'acier, la peinture. En contrepartie, je m'engage à partager l'avancée des travaux sur les réseaux avec des vidéos. Et je vous invite aussi à rejoindre l'aventure au chantier si vous avez envie d'aider, si vous avez des compétences ou même si vous n'en avez pas. Ou quand je le remettrai à l'eau si vous voulez participer un peu à mon aventure. En ce moment, je pense beaucoup partir de l'autre côté, dans le Pacifique, en passant par les glaces, le détroit de Bering, avec pourquoi pas un équipage entièrement féminin. Faut savoir qu'en bateau, les planches en chantant. Un jour on pense ça, un jour on pense aller ailleurs. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Et si je vais pas vers le détroit de Bering, sachez que ça sera quelque chose de tout aussi loufoque, et qu'il y a plein d'aventures à vivre dans le monde. Ce que je souhaite pour ce projet, c'est que le bateau soit un vecteur d'inspiration pour les petits et les grands. Qu'il montre qu'avec beaucoup de détermination, n'importe qui peut réaliser ses envies. Qu'il emmène les gens loin, que ce soit en les poussant à réaliser leurs rêves qu'en les faisant naviguer avec nous aux quatre coins du monde. Et enfin, qu'il prouve qu'un autre mode de vie est possible, loin des superficialités, plus proche de nous-mêmes et du monde. Ce que je vous demande avant tout, c'est de partager ce projet avec vos proches, vos amis, et qu'eux-mêmes le partagent à leur tour. Je suis sûre qu'avec votre soutien, on peut aller au bout, on peut créer une belle aventure et une belle histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on compte sur vous. À bientôt.